Bonjour, y a-t-il une raison pour tous les événements de notre vie? Y a-t-il une raison pour les circonstances difficiles que l'on rencontre dans notre vie? Y a-t-il une raison, ce que les gens disent, une raison divine ou quelque chose qui nous dépasse? Alors, je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Je vais vous donner les inspirations qui me viennent à ce sujet. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est que si le fait de croire cela, de croire qu'il y a une raison divine à tout, vous aide à être mieux dans votre peau, vous aide à guérir, vous aide à surmonter les épreuves plus facilement, alors croyez-le. Si au contraire, le fait de se dire que, admettons, vous traversez une situation très douloureuse, si le fait qu'on vous dise ou que vous vous dites il y avait une raison pour cette douleur et que ça vous plombe davantage, certainement ne vous mettez pas ça dans la tête, ne croyez pas cela. Croyez ce qui vous aide à aller mieux, ce qui vous aide à guérir plus facilement. Bien sûr que dans certaines choses, on a besoin de connaître la vérité, on va dire universelle, c'est important. Mais pour ce qui est de cet élément particulier, c'est-à-dire de dire est-ce que tout arrive pour une raison, est-ce que toute rupture, toute séparation, toute perte, toute maladie arrive pour une raison, si ça vous arrange de le croire, oui, croyez-le. Mais si ça vous plombe et ça vous fait partir, ça vous rend encore plus triste et plus déprimé, non, ne croyez pas ça. Croyez ce que vous avez envie de croire, du moins à ce sujet. Alors, ça peut être utile pour vous de regarder la série de vidéos de comment guérir des blessures du passé. Ça peut aussi vous être utile de venir à un stage de reconnexion à l'âme, parce que plus on est en phase avec notre intérieur, plus ce genre de questions, en fait, on s'en fout. Parce que ce genre de questions, ça parle à notre tête, mais notre intérieur, ce qu'il a besoin et envie, c'est de s'épanouir et d'aller mieux et d'aller vers ce qui lui vers ce qui le rend meilleur et plus épanoui. Donc je vous invite à croire ce que vous voulez par rapport à cette question. En revanche, de travailler sur votre guérison, de travailler sur votre connexion à votre intérieur par le biais d'un stage. Je vais mettre le lien à la fin pour la série de vidéos et dans le descriptif pour le stage qui arrive bientôt. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez envie pour me dire ce que vous en pensez de cette histoire. Tout arrive pour une raison. Merci pour votre écoute.